Bonjour. Vous savez, bonjour Sophia. Vous savez, il y a quelque chose qui me dépasse, quoi. Parce que quand je lis les commentaires, au fait, je fais un direct pour les commentaires. Je fais un direct pour ceux qui me demandent pardon. C'est pour vous que je fais un direct. Oui, pour tous ceux qui demandent pardon, tous ceux qui me disent de le laisser là. C'est pour eux que je fais un direct. C'est pour eux que je fais un direct. Vous savez, je n'aime pas, je suis pas lâche, non. Je ne vais pas laisser parce que où je suis arrivée là, je ne peux pas laisser. C'est ça que vous comprenez pas. J'ai expliqué hier, il y a une fille qui m'a appelée, on a discuté pendant presque 1 heure. J'essaye de l'expliquer, elle comprend pas. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent dessus. Ceux qui sont mes abonnés, qui m'aiment bien, me demandent pardon de laisser. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, me dit que ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien ce que je fais. Et les autres qui sont de l'autre côté là-bas, qui viennent m'insulter là, c'est à tout ce monde-là que je veux répondre. Parce que je dois vous parler d'abord. Parce que vous m'avez pris en cours de route. Je pense que vous m'avez pris en cours de route. Voilà. Parce que il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quelqu'un qui a l'habitude d'insulter. Il a l'habitude d'insulter. Oui, il a l'habitude d'insulter. Il a l'habitude de le faire tout le temps. Et vous, vous aimez pas. Et moi, quand c'est moi qui le fais, vous venez me dire, non, arrête. Non, arrête. Moi, je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai pas cherché. Oui, je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai pas cherché. Je ne suis pas allée le chercher. J'ai fait ma vidéo contre Aya. Aya, là. Elle n'est pas une sans voix. Elle sait se défendre, elle sait se battre. Il dit qu'il est un homme de la paix. Il dit qu'il est un homme de la paix. Quand tu es un homme de la paix et que tu vois qu'il y a un problème entre deux personnes, même si tu as un parti pris, tu viens pas t'asseoir pour insulter la personne. Tu viens pas t'asseoir pour insulter les parents de la personne. Tu viens pas t'asseoir pour insulter tous ceux qui ont appelé dans son direct. Tu viens pas. Non, ça on n'appelle pas ça homme de la paix. On appelle ça mettre de l'huile sur le feu. Moi, je ne l'ai pas provoqué, mais je lui ai seulement dit que je serai la fin, je serai la dernière femme à qui il va manquer de respect. Je serai la dernière femme à qui il va manquer de respect. Donc arrêtez de me demander pardon. Dès qu'il est en train d'appeler au secours contre moi aujourd'hui, là. Dès qu'il dit que moi, il force amitié dans Dès. Ce n'est pas lui qui était assis sur lui dans son 4 mètres carrés, là, pour crier. Que Dez cherche amitié avec lui. C'est pas lui qui disait que Dez cherchait amitié avec lui. Dez a insulté Yaka Yaka. Est-ce que Dez l'a déjà insulté une fois? Dez n'a jamais voulu le mettre dans sa vidéo. Jamais. Elle a dit qu'elle n'insulte pas les hommes. Elle respecte les hommes. C'est ce que Dez a dit. Dez l'a jamais insulté. Mais il a trouvé un motif valable pour venir s'asseoir pour insulter la fille. Après, il vient s'asseoir pour dire que c'est les femmes qui me provoquent. Aucune femme ne l'a provoqué. Aucune de toutes les femmes qu'il a insultées, aucune ne l'a provoqué. Même s'il y a d'autres qui ont cherché ça, mais aucune ne l'a provoqué directement. Il aime insulter les gens. C'est son comportement, c'est sa malédiction qui est sur lui là. C'est ce refoulement qu'il a là. Cette haine, c'est le diable qui s'est emparé de lui là. Le diable qui s'est emparé de lui là, c'est sa nature d'insulter les femmes. Et moi, je suis une femme. Je me lève pour défendre toutes les femmes. Et ces mêmes femmes-là vont venir m'insulter. Ces mêmes femmes-là vont venir m'insulter. Quand j'ai honte à ta place. J'ai eu honte quand il t'a insulté. Mais ma chérie, c'est ta chatte qui l'a insulté. Parce que ta chatte et ma chatte n'est pas différente. De la manière, l'enfant rentre dans mon ventre. Et puis je pousse pour faire sortir de cette même manière-là. Si à travers moi, je suis la dernière femme qui l'insulte, vous, ça vous dérange. Vous voulez continuer d'entendre les injures? Ces injures qu'il profère vis-à-vis des femmes là, vous voulez continuer à les entendre? Et vous m'appelez pour me dire, il faut le laisser. Il va trouver quelqu'un d'autre. Il va trouver quelqu'un. Donne-moi de le laisser pour qu'il puisse aller faire du mal à quelqu'un d'autre. Moi de le laisser et puis il va aller faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que je vais le laisser. Une femme va supporter ce calvaire encore. De laisser une autre femme va venir supporter ce. Pourquoi vous, les femmes, vous êtes comme ça même? Pourquoi vous avez un problème avec les femmes? Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble? Un seul problème, le seul.
Lui seul, il insulte toutes les femmes. Et puis, ces mêmes femmes-là sont derrière lui encore en train de l'applaudir. J'ai jamais vu ça. Pourquoi nous, les femmes, on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Créer cette méchanceté, on a fait quoi? Et puis, c'est notre propre camarade femme qui va venir nous donner à vendre. Ils sont en train de faire ce combat-là pour toutes les femmes. Vous allez vous lever pour me dire, faut moins de laisser. Une autre femme va venir supporter ça. Je ne laisse pas. Une autre femme ne va pas venir supporter ça. Je préfère supporter cette souffrance-là que de laisser une autre femme va venir supporter ça. Je préfère laisser une autre. Moi, je vais prendre. Ils ont déjà insulté ma maman. Ils ont déjà insulté mon papa. Ils ont déjà insulté mes enfants. Donc, de laisser. Et puis, une autre femme va venir faire une vidéo sans se rendre compte. Ils vont la charger. Et puis, ils vont insulter tous ses parents pendant que moi, j'ai vécu ça. Pendant que vous pensez que moi j'aime me sentir comment? Vous pensez que moi je serai chez moi j'aime me sentir comment? Non, tu n'as rien pu faire. Tu l'as laissé. Aujourd'hui, c'est une autre femme qui est victime. Pourquoi vous, les femmes, vous êtes mauvaises comme ça? Pourquoi vous êtes en train de me décourager? Vous m'appelez tous les jours, je ne peux même pas dormir. Vous m'envoyez de ces messages. Vous m'envoyez de ces tests. Faut laisser, faut laisser. Tu fais une... Mais ça, ce n'est pas une bonne action. Ça, là, ce n'est pas une bonne action. Le fait d'imposer le respect vis-à-vis des femmes, là, c'est pas une bonne action. Pourquoi vous êtes comme ça? Dex, là, elle a insulté Yaka Yaka où? Et puis Yaka Yaka l'a insulté. Elle a insulté où? Dites-moi. Mais elle a insulté la fille, là, jusqu'à... Il a inventé quel mensonge, je ne sais pas, sur la fille. Aujourd'hui, il est sur moi. Vous avez dit Dex n'a qu'à laisser. Il était dedans, même. Aujourd'hui, il est sur moi. Vous dites de le laisser. Et puis il va continuer encore. Lui, il va dire, oui, c'est moi le bratier, c'est moi quand il parle, c'est moi. Les femmes me provoquent. Quelle femme te provoque? Quelle femme te voit? C'est quelle femme qui te provoque? C'est quelle femme qui te voit? Les femmes même te voient même pas. Il ne peut pas me calmer. Cathy, il ne peut pas me calmer parce que vous, les femmes, là, vous me dépassez. Je suis dépassée. Je suis dépassée du comportement des femmes, quoi. Même si ce n'est pas une affaire de solidarité féminine, on n'a qu'à mettre la solidarité féminine à côté. Pour le respect, pour nos mamans même. Pour le respect. Les mamans ont poussé. Les mamans ont poussé 9 mois. Pour le respect même pour ses soeurs. Ces soeurs qui sont des femmes. Aujourd'hui, qui sont en train de voir leur maman être insultée par tout le monde. Vous ne pouvez pas faire palabre pour ses soeurs. Vous ne pouvez pas faire palabre pour ses soeurs. Pourquoi moi je ne serai pas la dernière femme? Pourquoi je ne serai pas la dernière femme qui va insulter, donc de le laisser? Regarde-toi, regarde ton commentaire. Claudine, moi je ne peux jamais te supporter. Je ne te demande pas de me supporter. Ça fait un. Voilà, je ne t'ai pas demandé de me supporter. Voilà. Tu exagères. Insulter les parents des gens. Je n'ai jamais insulté le parent de qui que ce soit. Quand je dis ta mère te regrette, c'est... Je n'ai pas insulté sa maman. Je n'ai pas insulté sa maman. C'est lui qui a commencé à insulter. La première vidéo d'injure vient de lui. La première vidéo d'injure, ça vient de lui. Tu veux que je réponde quoi? Tu veux que je réponde quoi? De lui dire bonjour? De lui dire bisous? Tu veux que je réponde quoi? Je le laisse quoi? Que j'exagère, lui n'exagère pas. À part lui là, tu m'as vu que tu m'as vu où même? Lui n'exagère pas. Il a la quatrième femme. Lui n'exagère pas, c'est moi j'exagère. Ma chérie, tu fais pitié. Tu as une misère morale qui n'en dit pas son nom. Tu fais pitié. J'ai pitié de toi. Parce que quand il est en train de m'insulter comme ça, c'est toi qui l'insultes. Parce que ces mêmes injures-là sont entendues par d'autres personnes. Et ils vont te répéter ça dehors un jour. Tu vas te demander où il a entendu ces injures-là. Quelqu'un qui manifeste l'esprit du diable comme ça. Vous pensez que c'est pas c'est qu'en caressant les gens quand on arrive à les délivrer? Même c'est écrit. Tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. Donc devenir de belles paroles.
devais lui dire de belles paroles. De lui dire quoi? C'est des injures. Je n'ai pas commencé la première à insulter. Moi, j'assume. Je ne suis pas une lâche femme. Je ne suis pas une lâche femme. J'assume, ma chérie. C'est toi qui fais pitié. J'exagère où? Tu m'as vu exagérer où? J'attends qu'il vienne s'asseoir pour m'expliquer que il a un comportement, comment un enfant, comment quelqu'un, une maman, une femme qui l'a porté 9 fois, qui l'a mise au monde, se permet d'insulter les femmes comme ça. Toi, tu es venu t'asseoir pour dire que moi j'exagère. Ma chérie, tu es une déprimée. Toi, tu as un gros souci. Si ce n'est pas un homme qui se cache derrière ce profil-là, ça m'étonne. Parce que c'est un faux profil. J'insulte le ventre des autres parce qu'elles ont insulté mon ventre. Il n'est pas venu les caresser. Les enfants qui sont sortis de mon ventre 9 mois, elles ont insulté. Elle a insulté. J'accouche les enfants comme ça. J'ai fait les enfants. J'accouche, j'accouche. Elle n'a pas insulté mon ventre. Elle n'a pas insulté mon ventre. Et puis moi, de venir la caresser. De venir la faire bisous. Quand tu insultes le... Son ventre est vide. Si elle insulte mon enfant, je vais insulter que son ventre est vide. Elle n'a pas fait aussi. Elle ne peut qu'insulter mes enfants. Son ventre est vide. Son ventre est cimetière. Pion. Voilà. Elle n'a qu'à insulter mes enfants. Je vais insulter son ventre. Quand tu as une calebasse vide chez toi, tu viens pas insulter quelqu'un qui a une calebasse remplie abondamment de nourriture. Je vais te dire que ta calebasse est vide. Quand ta calebasse est vide, tu vas venir insulter ma calebasse qui est remplie. Je te dis ta calebasse est vide. Toi, ça te fait mal. Ma chérie, toi, ça te fait mal. Ça n'a qu'à te faire mal. Tu es malade, ça va pas dans ta tête. Ça va pas dans ta tête. L'enfantement, ça se fait difficilement. Moi, j'ai enfanté mes enfants, j'ai failli perdre la vie. Tu vas venir t'asseoir là pour me dire quoi? De la caresser, quand j'exagère. Je n'ai pas encore exagéré. Je n'ai même pas encore commencé à exagérer. Je vais vous dégoûter sur la toile, vous allez voir. Je n'ai pas encore commencé à exagérer. C'est vous qui m'énervez, ce n'est pas eux. Parce que eux là, je les connais comme ça. Je connais leur comportement, je connais leur modèle. C'est la malédiction qui est sur eux. Quand la malédiction est sur toi là, il n'y a rien de bon qui sort dans toi. Tu n'as pas de fruits. Un bon arbre, c'est lui qui produit des fruits. C'est vérifié. Un bon arbre, quand l'arbre est bon là, elle produit des fruits. Voilà, c'est calculé, c'est mathématique. Eux là, aucun fruit, rien, vide, nada. Moi j'ai tout, j'ai un mari, j'ai un enfant. Les fruits sont abondants sur mon arbre. Les fruits sont abondants et de toutes les couleurs. Voilà. Ma calebasse est pleine. Et je ne vais pas venir, quelqu'un va venir s'arrêter là pour juger ça. Je vais lui dire. Je vais insulter maintenant, ça là quand vous fait mal. Voilà, où ça arrive là, je ne peux plus me reculer. On va de là, là. De là, là. Ils n'ont qu'à dire mon nom. Ils peuvent pas, ils n'ont pas qu'à dire mon nom. Hein, c'est la partie là qui me plaît. Vous voulez toutes les preuves que vous voulez là. Moi, j'ai dit, j'ai ça. Dites mon nom seulement. Il va vous donner les preuves là. Fa. Dites mon nom. Il va vous donner les preuves là. Vous ne dites pas mon nom, vous voulez quelle preuve? Dans toutes les preuves que j'ai bien voulu vous montrer, parce que ce que vous me demandez, je ne suis pas obligé de vous montrer. Je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Le jour où vous allez dire mon nom, toi, anus ouvert, le jour où tu as dit mon nom, parce que je ne sais pas de quelle femme tu parles. La femme que tu es en train de parler là, je ne la connais pas. Celle que tu entends de dire son nom, je ne la connais pas. Dis mon nom, on sait que c'est de moi que tu parles. Une fois que ça va sortir de ta bouche dans une vidéo, je vais te montrer par A plus B. Dis mon nom. Vous voyez bagage qu'elle, vous voulez soulever. Vous n'avez pas qu'à de dire mon nom. On va arriver où ça doit arriver là. Et puis vous allez poser la question. Vous allez poser la question. Vous devez poser la question là. Toi, tu es qui? Puis elle fait sortir test d'ADN, mon enfant, pour te donner.
Mais comme tu veux savoir, là, moi, Edwige, je vais te donner. Dis mon nom. Dis Milan Edwige seulement. Tu auras ta réponse. En bonne et due forme. Avec preuve à l'appui. Vérification. C'est le médecin là, va te donner l'aiguille là. Et puis tu vas injecter dans le corps de mon enfant. Et puis tu vas retirer son sang. Et puis vous allez faire l'analyse là. C'est le médecin, tu vas aller faire l'analyse. Toi-même, tu seras en blouse blanche. Et puis tu vas vérifier. Parce que si il m'en va faire papier pour venir te donner là, tu vas dire ça allait falsifier. Là, l'examen, c'est toi-même qui vas le faire. Ton babier, c'est moi qui ai dit ça. Voilà. Voilà. Vous les bêtes femmes comme ça, vous laissez un homme vous insulter matin, midi, soir. Vous laissez un homme vous insulter matin, midi, soir. On parle de ça. Que c'est elle qui a cherché. Oh. C'est elle qui a cherché. Oh. C'est elle qui a provoqué. Oh. Ma chérie, il ne peut même pas me louper. Il ne peut pas me louper. Toi-même, tu parles même, tu me fais pitié. Quoi. Il ne peut pas me louper. Il ne peut même pas dire mon nom. Dis-lui seulement de dire mon nom. Quand il faisait parler avec Lolo Beauté, il disait Lolo Beauté, non. Quand il faisait parler avec Lolo Beauté, il disait Lolo Beauté, non. Quand il faisait parler avec DS, là, il disait DS, non. Maintenant, pourquoi il fait parler avec moi, il dit pas mon nom. Il connaît bagage qui est lourd. En enfance, ici, nous deux, on est dans le même pays, là. Aïe, ça chauffe pas. Il n'a pas venu s'asseoir ici pour dire que Lolo Beauté, là, ses enfants, là, c'est pas le papa. Les mêmes injures qu'il donne aux autres, c'est les mêmes injures qu'il est en train de donner. Les mêmes injures qu'il a donné aux autres, là, c'est les mêmes injures qu'il est en train de donner. Il a fini d'avoir la preuve des enfants de la fille, et puis il vient demander pour moi. Lolo Beauté, elle a eu pitié de lui. Mais peut-être elle n'avait pas la possibilité. Mais moi, j'ai la possibilité, mon frère. Je vais te donner cette preuve-là. Dis mon nom seulement. On va aller où on doit aller pour te donner. Tu n'as pas dit que tu as toutes les démarches, mais tu as peur de quoi? On n'a qu'à aller au concret. On n'a qu'à aller au concret ou bien? Ta plainte que tu as déposée contre moi, ta main courante que tu as déposée contre moi, là, c'est à quel niveau? Je t'ai posé la question, tu ne m'as pas répondu aussi. C'est à quel niveau? Faut m'informer que moi je travaille, je suis fonctionnaire. C'est moi je te nourris, toi. Tu peux me nourrir. L'argent que je reçois chaque fin du mois là, même si tu travailles 24 heures sur 24, tu ne pourras jamais l'avoir. Ça n'a qu'à te faire mal. L'argent que je reçois chaque fin du mois, même si tu travailles 24 heures sur 24, tu ne peux pas avoir ça. C'est moi qui dis ça. Avant que tu n'arrives en France là, on donnait ça aux gens. Tu travailles ou tu travailles pas? Moi, je mange. Quand c'est moi, c'est l'argent des bonnes. Toi, tu peux me payer? Toi, ton travail que toi tu fais, tu peux me payer? Batra Denis, tu te vois trop, hein? Mon frère, tu es perdu. Tu es perdu. Il y a pitié pour ta soeur. Ta soeur, quand c'est vu au restaurant, elle me faisait pitié. Elle me faisait pitié. Elle me faisait pitié. Il l'a regardé comme ça, j'ai dit, pauvre fille. Pauvre fille. Victime de son frère, de la malédiction que ses parents ont profané sur lui. Que ses parents ont jeté sur lui. Tu as été maudit. Tu as été maudit. La malédiction te suit. C'est pour ça qu'il n'y a rien dans ta vie. Tu t'inventes que j'ai enfant, j'ai femme. Tu fais pitié. Ma chérie, Fatouma Taba. Ma chérie. Je vais vous répondre. Je suis venue spécialement pour vous. Avec tout le respect que je vous dois, je suis venue spécialement pour vous. On est là. Vous n'avez rien à faire en France. Oui, on n'a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai rien à faire. Ça te dérange? Je ne rentre pas au pays. Je n'ai pas envie. Voilà. Vous ne les avez pas empêchés d'avoir une popularité. Tu viens parler de moi. Toi, tu peux empêcher quelqu'un d'avoir une popularité. Pourquoi vous êtes obligé de comment on appelle ça? De faire la promotion de la bêtise. Vous pouvez vous désabonner de toutes nos pages. Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu assises là et tu regardes ça?
Pourquoi tu es assise là et tu supportes ça? Tu peux nous éteindre dans une fraction de seconde. Toi, Fatoumata Bala, qui t'a forcé à nous regarder, qui t'a forcé à nous supporter? Tu peux te désabonner de nos plages, tu nous bloques, nous tous. Si vous tous qui êtes fâchés là, vous faites ça là, on n'aura plus de visibilité, puis on ne sera plus rien. Vous aimez ça. Vous adorez ça. Ça vous plaît. Vous allez venir vous asseoir pour donner des leçons de morale aux gens. Mais désabonnez-vous tous de toutes nos pages. Comme ça, on va se calmer, on n'aura aucune visibilité. Parce que quand on parle et puis vous venez vous asseoir pour regarder là, vous pensez que vous faites du mal à qui? Pourquoi vous venez vous asseoir pour regarder ça? Et puis vous avez des leçons de moralité à donner aux gens. Fatoumata Ba, cette célébrité-là, tu as la possibilité de ne pas nous la donner. Mais tu nous la donnes quand même. Et tu viens t'asseoir te plaindre. Tu te plains auprès de qui? Qui t'a obligé à t'asseoir là pour regarder? N'importe quoi. Yaka tombeau d'Akourou. C'est moi, j'ai dit ça. Tu m'insultes, tu t'insultes. Tu penses qu'un jour, là, tu as insulté quelqu'un, puis ça va faire quoi? Tu as insulté quelqu'un, puis ça va faire quoi? Tu as insulté quelqu'un, puis ça va faire quoi? Je te connais comme ça. Je te connais comme ça. Je suis venu t'affronter parce que je sais que c'est ça qui est en face de moi. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Voilà. Je serai la dernière. Voilà. Pour le moment, tant que tu n'as pas encore dit mon nom, tu ne mérites pas d'avoir des preuves. Parce que je considère toujours que tu ne parles pas de moi. Je considère que tu ne parles pas de moi. Parce que tu es un gros lâche. Lolo Beauté, là, c'est son nom de Facebook, ce n'est pas son vrai nom. DS, c'est son nom de Facebook, ce n'est pas son vrai nom. Mais Mila Edwige, là, c'est mon nom. Dis mon nom. H. Dis mon nom. C'est la partie là qui me plaît. C'est la partie là qui me plaît. Dis mon nom. Tu as senti ça venir. Je vais te faire jouir. Je vais t'aider à ta masturbation. Sale crasseux, crabe. Tu es tricky comme ça. Ta maman souffre quoi? N'importe quoi. Il n'y a rien qui est bon sur toi. Rien, zéro, nada. Toi-même, ta forme, perdue. Coiffure de garçon, perdue. Démarche, perdue. Anus que Dieu t'a donné, comme, et puis, bouche que Dieu t'a donné, puis tu as transformé ça en anus là. Il n'y a rien qui est bon dedans. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu es perdu. Tu es perdu. Il n'y a rien qui est bon sur toi. Il n'y a rien qu'on peut prendre dans toi. Rien du tout. Quand tu vas disparaître, tu vas manquer à personne. Personne ne va te pleurer, c'est moi qui t'ai dit ça. Personne ne va te pleurer. Tu meurs, tu reçois ta personne ne te pleure. Tu vas venir parler de moi. Qui va te chercher? Qui va avoir une pensée même pour toi? Eh, Dieu merci, il est parti. En là. N'importe quoi. Je suis rentré dans un jus. Voilà, c'est là que vous faites mal. Mariam Ba, s'il te plaît, ma soeur, pour l'amour de Dieu, pour tes enfants, s'il te plaît, il faut arrêter, mon Dieu. Frère et soeur, mon Dieu, j'ai mal au cœur de voir ça. C'est pour l'amour de mes enfants même que je ne peux pas arrêter ça. Parce que vous, là, c'est votre travail qui est là. Je vais vous donner un exemple bête pour que vous puissiez comprendre. Parce que j'ai comme l'impression que ça ne va pas trop dans ta tête pour m'envoyer ce genre de message-là. Oui. Je vais te dire ça. Ne va pas trop dans ta tête. Sinon, si toi tu étais là, au temps de Jésus, Jésus n'allait jamais mourir. Tu allais dire, Jésus, pardon, faut laisser, oh, faut laisser. Tu souffres trop, faut laisser. Pour l'amour de Dieu, faut laisser. Et puis nous, on sera toujours en train de pleurer. Hein? Parce que quand quelqu'un est en train de faire un combat qui est bon là, quand vous voyez la petite difficulté, vous fuyez. Quand un adulte est en train de violer un enfant, moins de le laisser.
de le laisser. Il va aller violer un autre enfant encore. C'est ça que toi, tu es en train de me dire. C'est que Dieu t'a appris sur la terre là. C'est qui est dans les livres saints là. C'est ça qui est là. Même Dieu même, il a chicoté Égypte. Il a tué tous les premiers-nés d'Égypte parce qu'on voulait tuer son fils. Il les a tués tous. Même Dieu. Dieu même que tu es en train de l'appeler. Dieu même que tu es en train de l'appeler là. Quand lui pour lui s'élève là, il va dire tout. Il a envoyé le déluge et puis il a tué tout le monde. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il a fait tout ça là. Tu es en train de l'appeler pourquoi? Quand tu dis pour l'amour de Dieu, tu connais le cœur de Dieu. Tu connais le cœur de Dieu. Tu connais le cœur, quand Dieu est fâché, tu connais comment ça se passe. Vous êtes là toujours, Dieu, vous aimez les miracles. Vous, c'est les miracles que vous aimez. Vous allez coucher chez vous et puis votre compte en manque est rempli. Vous n'avez pas fait le combat. Si Abraham Poku avait réfléchi comme ça, les Baoulés allaient mourir tous. Si Abraham Poku avait réfléchi comme ça, les Baoulés allaient tous mourir. Elle acceptait de sacrifier son enfant pour sauver la vie de tous les autres. Vous n'êtes pas des guerrières. Vous n'êtes pas les dignes filles d'Afrique. Un homme va venir s'asseoir pour nous insulter matin, midi, soir. Et c'est vous qui pleurez pour demander pardon. Il est seul. Il a insulté combien de femmes? Et c'est vous qui allez venir parler de Dieu. Dieu vous a donné toute la possibilité. Vous a donné tout. La bouche que Dieu lui a donnée, c'est même bouche là que Dieu m'a donnée aussi. Il prend ça pour parler, finir de laisser pour l'amour de Dieu. Si Dieu voulait me taire, il allait me rendre bobo. Si Dieu voulait fermer ma bouche, il allait me rendre bobo. Il a cette possibilité là. Mais il me laisse parler. Il m'a laissé le choix. Et j'ai choisi le choix qui me convient. Vous allez venir donner les leçons de morale. Vous êtes des prophètes. Vous êtes des prophétesses. Mais quand il passait son temps à insulter toutes les filles, là, vous l'applaudissez, non? Vous l'applaudissez, non? Il faut laisser ça pour l'amour de Dieu. Dieu même est fatigué de vous donner son amour là-même. Vous ne méritez pas. Il est en train d'insulter mes enfants. Il dit de le laisser. Quelqu'un est en train d'insulter mes enfants, il faut le laisser pour l'amour de Dieu. Mais mes enfants, ils les protègent où? Je me bats pour eux quand? Je les ai fait pour que quelqu'un ne vienne les insulter. Comme ça, quand j'ouvre ma bouche, que quelqu'un commence à insulter mes enfants, je fuis pour partir. Le jour où je ne suis pas là, là, que quelqu'un insulte mes enfants font comment? Je ne veux pas donner la possibilité à quelqu'un d'insulter mes enfants. Le jour où je ne suis pas là, que quelqu'un insulte mon enfant, que mon enfant est venu me dire, c'est que sa maman est là. On connaît maman là. Quand on connaît maman, on insulte pas son enfant. Quand on connaît maman, là, on n'insulte pas son enfant. Voilà. Qu'il faut le laisser pour l'amour de Dieu. Si lui, il avait le droit de parler dans la vie d'un enfant, Dieu allait lui donner un enfant. Ils ont manqué d'éducation de leurs parents. Ça l'appelle ça manque d'éducation. Moi, j'ai été éduqué. J'ai reçu une très bonne éducation. On ne peut pas laisser un homme venir manquer de respect à une femme et puis laisser ça comme ça. C'est impossible. Si vous trouvez que j'exagère, c'est vous qui voyez. Si vous trouvez que je n'ai pas à me retrouver dans cette situation, c'est vous qui voyez. Mais je me suis retrouvé dans cette situation et j'affronte. Jugez-moi comme vous pouvez me juger. Je m'en fous. Je connais mes valeurs. Je connais mes principes. Il va arrêter d'insulter les femmes, c'est moi je dis. Il pique par l'épée, moi aussi il va périr par l'épée. Il m'insulte, je l'insulte, mais il serait la dernière femme. Et puis vous les femmes, là, continuez à aller l'applaudir. Continuez à aller l'applaudir. Des vendus comme ça, des femmes qui n'ont pas de dignité, les femmes qui n'ont pas d'amour propre. Vous n'avez pas l'amour pour vos corps. On insulte le corps d'une femme, vous applaudissez. Aucune estime de vous. Vous ne voyez pas que c'est les hommes qui appellent dans son direct. Ils ont peur de rencontrer une femme comme moi. Parce qu'une femme comme moi, ça ne se laisse pas marcher dessus. Oui. Quand ils voient une femme qui est forte, une femme qui s'impose là, leur cœur bat, c'est que cette femme-là ne va pas supporter leur bêtise là. Donc ils essayent de me recadrer comme ça, toutes les autres femmes vont se trécouer. Mais moi seulement, je protège d'autres femmes. Parce que si tu es une femme, si tu as une femme qui est sage chez toi à la maison et que tu penses que tu es l'homme le plus viril du monde et que tu te promènes, que tu tombes sur Edwige là, tu vas réfléchir à deux fois
Donc moi-même, j'empêche vos maris de vous tromper. Si beaucoup de femmes se comportaient comme moi, là, il y a beaucoup d'hommes qui allaient rester avec les femmes. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils allaient trouver dehors. Ils ne savent pas ce qu'ils allaient trouver dehors. Quand tu sais que les femmes sont malades, là, quand tu gagnes bon, tu restes avec. C'est nous, on leur donne l'ouverture d'aller se promener dans la nature comme s'ils étaient des rois. On doit les apprendre que où tu es, là, reste là-bas, parce que là-bas, c'est bon. Quand tu as sorti, c'est que tu as croisé dehors, là, c'est toi ce que tu connais. Il y a les Edwiges dehors. Les Edwiges, là, elles sont dehors aussi. Reste pas un mois ici. Quand tu as sorti, tu as les croisé une Edwige, une ennui qui va te pourrir la vie. Tu vas rester tranquille chez toi à la maison. Vous êtes là, vous savez pas mener le combat. Yaka Yaka a traumatisé Gola. C'est vous qui êtes en train de me traumatiser, c'est pas Yaka Yaka. Lui, c'est un petit dossier pour moi. C'est votre manière de réfléchir, votre mentalité. Votre manière de réfléchir. C'est vous qui êtes en train de me traumatiser. Parce que quand je vois comment les gens réagissent, c'est ça qui me traumatise. Sinon, lui, je m'en fous de lui. Il est déjà perdu. Il est déjà perdu. Je ne suis pas la première. On est combien de milliers qu'il a insulté? Il est déjà perdu. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est sa nature qu'elle a. Il ne peut pas s'en empêcher. Il va me traumatiser où? Quelqu'un comme ça qui n'a ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite, il va me traumatiser où? C'est vous qui êtes en train de me traumatiser. C'est vous. Je ne comprends pas ce comportement que vous avez là. Vraiment. Une fainéantise. Une facilité. Aucun combat. Aucune dignité de femme. Aucun honneur de femme. Aucune prestance. Vous êtes des femmes qui... Voilà. Vous ne méritez pas d'être femme. On porte 9 mois de souffrance. Ce n'est pas 2 jours que je suis en train de faire lui là qui va m'effrayer. Vous connaissez la souffrance que j'ai subie dans ma vie. Vous connaissez? Vous connaissez quand un corps étranger rentre en toi? Vous connaissez, non? Vous êtes des femmes, non? Vous avez porté 9 mois, non? Vous connaissez ce que ça fait dans ton corps jusqu'à ça pousse? Tu supportes ça pendant 9 mois jusqu'à tu accouches? Il a vécu ça, c'est pas Yaka Yaka qui a m'effrayé. Sur Yaka Yaka, tête contre lui, là, j'ai poussé ça aussi. Il va m'effrayer où? Une femme qui a déjà fait enfant, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut l'effrayer. Modèle comme lui, là, j'ai poussé ça aussi. Hey, est-ce que l'homme n'est pas sorti de mon ventre? Et puis c'est lui qui a m'effrayé. C'est votre pensée qui me... Je suis désolé. Voilà, j'ai pas pensé que autant de personnes peuvent penser comme ça. Et se dire qu'on a la crainte de Dieu, on a l'amour de Dieu. J'ai pas pensé. Si Moïse, quand Dieu a dit à pardonner, il dit Moïse, quand Dieu a dit à Abraham d'aller tuer son fils là, s'il avait refusé, là, on ne sait pas où on allait être. Vous avez des combats à faire, vous fuyez. Aucun respect, vous ne voulez même pas imposer le respect vis-à-vis d'un seul homme. Vis-à-vis d'un seul homme. Vous n'êtes pas capable d'imposer le respect. Tous les jours, vous êtes dans la doléance. Pardon, il faut laisser. Il va tomber sur quelqu'un d'autre. Il va tomber sur quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Ouais, femme. Femme. Il va tomber sur une autre femme, il va insulter une autre femme encore. Hey, femme, je suis dépassé de notre mentalité. Je suis dépassé de notre mentalité. À quel point? C'est comme ça que vous réfléchissez. Non, vraiment, on ne peut pas se battre pour vous. Donc, toutes les femmes qui ont fait le combat pour vous, là, aujourd'hui, là, elles sont en train de se retrouver dans leur tombe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un seul homme! Un seul homme! Toutes les femmes sont contre moi. Pas toutes. En tout cas, la majorité. Oui, la majorité. Parce que quand je dis contre moi, ça veut dire qu'elles veulent que j'arrête. Hey, vous voulez que j'arrête? C'est pas être contre moi. Vous voulez que j'arrête? Bon, moi, d'arrêter. Et puis lui, il va continuer encore. Et puis lui, il va continuer. Non, non, je suis dépassé de vous. Vraiment, vous savez pas à quel point. Vous voulez pas que ça reste sur moi? On m'a déjà fait tout ce que vous êtes en train de dire. On m'a déjà fini de me faire. Moi, j'ai déjà subi tout ça là.
de laisser. Il va s'en prendre à une autre femme encore. Hey! Hey! C'est quel homme vous avez vu, il a fait ça? C'est quel garçon qui a fait ça? Quel garçon qui a fait ça? Mais vous, les femmes, vous faites ça. C'est moi qui ai honte à votre place. Vous n'avez pas honte pour moi. Lui, là, il ne peut rien me faire. Je vous ai dit tout. Il a peur de moi. Il n'a jamais pu prononcer mon nom. Bon, quelqu'un qui n'a jamais pu prononcer mon nom, vous voulez qu'il n'a qu'à m'effrayer? Pourquoi? Il n'a jamais pu prononcer mon nom. Vous voyez pas que c'est inimaginable. T'es en train de citer quelqu'un, tu dis pas son nom. Et vous êtes en train de venir le laisser. Mais j'ai déjà gagné. Par là, pour ça, là, il a déjà gagné. Il n'a même pas besoin même. Quand on me dit qu'il m'a insulté. Quand il m'a insulté, vous allez prendre le téléphone là. Quand il est en train d'insulter là, vous prenez le téléphone, vous donnez à quelqu'un. Il va finir d'insulter. La personne ne sait même pas de qui il parle. La personne ne sait même pas de qui il parle. Donc il a insulté qui? Bon, c'est toi qui es en train d'écouter là. Et puis tu es en train de penser que je suis bête là. Mais c'est toi qui l'as insulté. Il n'a pas dit mon nom. Lui-même, ça, il zozote. Lui-même, il a grosse langue. Il est en train d'insulter quelqu'un qui a grosse langue. Aïe! Que j'ai honte à ta place. Bon, quand tu prends son téléphone et puis tu t'en donnes à quelqu'un, la personne finit de regarder. Est-ce que la personne peut te dire ce qu'il a insulté? Non! Non! Vous êtes là, vous écrivez en commentaire. Il peut dire que c'est que des suppositions. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. C'est vous qui avez dit, c'est pas lui qui a dit. Et quelqu'un concernant est qu'à avoir peur de lui. Est-ce que vous êtes normal même? Vous êtes, ça va dans votre tête. Il a peur de moi. Il tremble. Il a la frousse. Il ne va pas dire mon nom. Et puis moi, il a avoir peur de lui. Mais ah, ben, soyons sérieux. Soyons sérieux, n'est-ce pas? Il est en train de parler à des abrutis ou bien il est en train de parler à des êtres humains? Je parle des moutons bien. C'est quel modèle de femme ça là? C'est quel modèle? Mais c'est le coronavirus qui nous a rendu débiles, nous tous sur en bas. Konate Aya. Bon, ton commentaire est parti. Bon, tellement c'est pas important. C'est parti, je ne peux plus revenir en arrière. Ben, c'est pas grave. Ben, c'est pas important. Tu es bête, ma chérie. Il y a des combats plus nobles que ça. Quelqu'un qui insulte femme matin, midi, soir. Toi, tu es une femme. Quelqu'un qui te manque de respect matin, midi, soir. Et toi, tu dis qu'il y a des combats qui sont plus nobles que ça. Il y a quoi qui est plus noble que ça? Dis-moi. Quelqu'un qui insulte les femmes tous les jours. Quelqu'un qui insulte les mamans tous les jours. Quelqu'un qui insulte les enfants tous les jours. Parce que si j'étais la première qui l'avait insulté, j'allais vous comprendre. Je ne suis pas la première. On est beaucoup. La liste est longue. Il n'y a même pas envie de citer tout le monde. La liste est longue comme ça. Les gens qui n'ont rien fait. Et tous les jours, viennent s'asseoir là pour dire que si les femmes me provoquent. Si les femmes me provoquent. Personne ne t'a provoqué. Tu souffres. Tu es jaloux des femmes. Parce que moi, je pense que c'est la jalousie. Tu aurais désiré être une femme. Donc, tu as cette jalousie-là. Tu nous détestes parce que juste parce qu'on est femme. Juste parce qu'on est femme. Mais ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a décidé que ça soit ainsi. C'est Dieu qui a décidé que ça soit ainsi. Qu'on soit des femmes, mon frère, ça n'a qu'à te faire mal. Il faut t'en prendre à Dieu. Tu es jalouse des femmes. Parce que toi-même, tu voulais être femme. Tu rêvais d'être femme. Les femmes qui me provoquent. C'est les femmes qui me provoquent. Pitiation. Tu n'as pas de couilles. Je dis toujours que tu n'as pas de couilles. Tu es incapable de prononcer mon nom. Hey! J'ai jamais vu ça. D'une lâcheté pas possible. Et toi, comme ça, moi, j'ai qu'à avoir peur de toi. Wesh! J'ai qu'à avoir peur de toi. Tu vois même pas ça me ressembler. Est-ce que moi vous ai dit que ça n'a qu'à me ressembler? C'est une, on appelle ça, quand tu traverses des moments difficiles, c'est une étape de ma vie. Voilà, on appelle ça la traversée du désert. Ça arrive à tout le monde. Moi, c'est ma traversée du désert qui est là. C'est une étape de ma vie. C'est pas mon comportement. Mais je vais faire ça propre pour lui montrer. Oui, je vais faire ça propre pour lui montrer. Il a dit, je vais vous dégoûter.
Je n'ai pas demandé votre avis avant de venir m'asseoir ici. On parle de ça. Vous allez vous lever pour dire qu'il faut laisser tomber. Il y a une même qui m'a appelé hier là même. C'est avec beaucoup de respect que j'ai terminé ma discussion avec vous. Que ma chérie, j'ai tout son dossier même. Mais il faut le laisser. Lui là même, il est comme ça. Et ma chérie, il faut le laisser. Tu es en train de perdre. Je suis en train de perdre quoi? Tu m'as vu, il a perdu quoi? Il ne pourra jamais gagner ce combat-là vis-à-vis de moi. Jamais. C'est impossible. C'est impossible que les blancs vont te préférer à toi qu'à moi. Ils vont te préférer à wesh. Simple fonctionnaire. Ils vont te préférer à toi qu'à moi. Je suis quoi ici fonctionnaire? Mariam Bakayoko, toi-même je te cherchais. Je vais t'insulter, toi-même je dois t'insulter même parce que tu es une bête fille. Tu es une bête fille même, tu es bête juste quand tu n'as pas reçu d'éducation de tes parents. Parce qu'un homme qui insulte une femme comme ça, une femme ne peut pas venir s'asseoir pour le défendre devant une autre femme. Moi je suis une femme, j'ai le droit d'insulter les femmes. J'ai ce droit-là. Oui. J'ai mis des êtres humains au monde. Oui. J'ai ce droit-là. Je donne la vie. J'ai droit de vie. Quelqu'un comme ça, un perdu comme ça de la nature, un rejeté, un sacrifié. Toi, tu es sacrifice de tes parents. Ils t'ont sacrifié pour que tes frères et soeurs soient bien. C'est pour ça que tu es comme ça là. C'est parce qu'ils t'ont sacrifié. Parce que chez vous là, vous avez fini un sacrifice. Vous avez fini un maraboutage. Vous êtes spécialiste dans ça. T'es un sacrifié. Toi, t'es sacrifice de tes parents même. Parce que quand on est sacrifice, il n'y a rien qui est bon dedans. Rien qui est bon. Sacrifice même. Tu vois comme ça. Tu vois, mais... Dis-moi. Moi, je te demande une seule chose seulement. Attends, ça l'a dit quoi? Il n'y a pas vu. Oh. Ah, les messages là vont vite, vite comme ça. Oh, Facebook aussi. Oh. Vous n'avez rien à dire. Vous connaissez pas la honte. C'est la partie là qui me fait rire. Vous encouragez quelqu'un qui n'arrive pas à dire le nom de quelqu'un. Mais dis mon nom. Mais je sais pas par quelle fois ça je vous parle. Ou bien vous êtes débile ou bien vous êtes bête. Quelqu'un est en train d'insulter quelqu'un. Et puis vous êtes en train de vous imaginer de qui il est en train de parler. Vous seul, vous imaginez de qui il est en train de parler. Vous seul, vous vous imaginez. Vous souffrez. Deux fois, mais c'est de même pas moi il parle. Il est en train de parler de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il est en train d'insulter une autre femme. Mais comme il sait qu'il a un problème avec moi, il va dire grosse langue un peu. Puis c'est une autre femme qui est en train d'insulter. Mais il ne dit pas mon nom. Je ne suis pas la seule à avoir une grosse langue sur la terre là. Je ne suis pas la seule. On est beaucoup. Lui-même, il est dedans. Il est en train d'insulter les femmes. Parce que ce qu'il dit là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, il lui dit, il n'a qu'à dire mon nom. Je vais lui donner la preuve. Mais là, c'est quoi qui vous dérange dedans? Pour les femmes, vous faites pitié des les femmes qui suivent Yaka Yaka sont des femmes dignes. Vous souffrez. Ouais, tous les jours, on insulte vos cons. On insulte les enfants. On insulte tout. Mais vous êtes dignes quand même. Yeah, ça, c'est dignité. C'est dignité qu'elle a. Wow. Misère morale. On appelle ça la misère morale. C'est pour ça que... Voilà. C'est pour ça que les femmes sont toujours dernières.
Yaka te donne insomnie. C'est lui-même qui ne peut même pas travailler. Lui-même, il n'arrive pas à travailler. Il n'a pas pu faire carême à cause de moi. Il n'a pas pu faire carême. Même Dieu, il n'a pas pu respecter Dieu à cause de moi. Il faisait direct sur moi pendant qu'il était en carême. Quand Yaka m'a donné insomnie, j'ai bien dormi la nuit et puis je suis venu à 11h pour venir faire direct. Tu me vois en train de faire direct la nuit. Tu m'as vu et ça te fait direct la nuit. Là, c'est la nuit. Quand Yaka te donne insomnie. Mais tu es bête, ma chérie. Tu es bête, hein? Yaka te donne insomnie. C'est lui qui ne dort pas la nuit. Il est obligé d'aller travailler la nuit. La nuit, il ne peut pas dormir. Donc la nuit, là, il préfère prendre heure de nuit que de prendre heure de jour. La nuit, il ne peut pas dormir. Même carême, il n'a pas pu faire à cause de moi. Il n'a même pas respecté Dieu. Tu as venu dire que je l'ai fait quoi? Je l'ai fait quoi comment? Il m'a insulté pendant le mois de carême. Ah, ça, ce moment-là. Wouch! Il a regardé comme ça, il me faisait pitié. Il me faisait pitié, même Dieu. Même la religion musulmane, il la respecte pas. Il la respecte pas. Même Dieu, il n'a pas pu faire son carême à cause de moi. Il est venu m'insulter. Et quelqu'un comme ça, vous allez vous asseoir pour dire que moi, j'ai peur de lui. Wow! Un perdu. Ma chérie, tu es encore pupille. Lui, quand je suis encore pupille que lui, tu sais pas. Aïe, c'est vous qui savez pas. C'est vous qui pensez que j'étais gentil, j'étais bisounours. C'est vous qui savez pas que je suis pupille que lui. Vous connaissez pas ce que Dieu a mis dans la femme. Ça connaît ça. Je suis 10 000 fois pupille que lui. C'est pour ça qu'il rêve ressembler à une femme. Vous connaissez ce qu'il y a dans la femme. Vous connaissez le cœur d'une femme. Mais j'ai fini à lui. Moi, je suis à un autre level. Il est fini, lui. Je suis 10 000 fois, 100 000 fois plus pire que lui. C'est moi qui dis ça. Il pense qu'il est malade. Il pense qu'il s'est insulté. Ces hémorroïdes qui sont en bas de lui, là. Ça descend d'organes qu'il a, là. Il va prendre mon pilon. C'est vous qui nous avez montré ça. Vous aimez ça, où? Je vais prendre mon pilon et puis je vais foutre ça dans son anus pour faire remonter ça. Jusqu'à là où ça doit être. Je vais prendre mon pilon et puis je vais enfoncer ça dans son anus. Jusqu'à ce que ses organes là se remettent en place. Et c'est plus malade que lui-même. C'est lui qui pense qu'il s'est insulté. Tu as touché à mes enfants, mon frère. Tu as crié Madou. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui t'ai dit ça. Alors, c'est moi qui t'ai dit ça. Que ma chérie, tu fais humanitaire. Tu es dans humanitaire. Tu es dans quoi. Donc, faut pas y aller parler. Je vais parler pion. C'est mon argent, je prends pour donner aux gens. C'est mon argent, je prends pour donner aux gens. J'attends pas l'argent de quelqu'un. Personne ne me nourrit sur Facebook ici. Chérie, je ne décroche pas. Coupe. C'est pas important. C'est mon argent, je donne. Je vais économiser mon argent. Enlevez-moi dans l'humanité là. Je vous ai demandé permission avant de venir dans l'humanité. C'est mon argent, il prend pour aider les gens. C'est pas eux qui me donnent l'argent. C'est pas vous qui me donnez l'argent. C'est pas vous qui me nourrissez. C'est moi, je dis j'en ai assez et je prends pour les donner. Mais s'ils veulent pas, ils prennent pour aller payer mon sac et puis ils prennent pour me promener. Voilà le problème. Quand tu fais un, tu vas gâter, tu vas faire comme ça. Mais il m'en faut. Les pauvres là, il y en a. Il y en aura. Et il y en aura toujours. Avec ce genre de comportement que vous avez. Avec ce genre de comportement que vous avez là. Les pauvres là. C'est pas moi qui est venu mettre fin à la pauvreté. Même Jésus est venu, n'a pas mis fin à la pauvreté. Mahomet est venu, n'a pas mis fin à la pauvreté. C'est donc, c'est pas moi là. Maman. Qui suis personne. C'est pas moi qui est venu mettre fin à la pauvreté. Maman. Quand tu fais humanitaire, il faut rester dans ton humanitaire. Quand tu fais humanitaire. Maman. Oui. Il y aura que ça. D'accord. Quand tu fais humanitaire, maman. Tu dois. Yo, tu vas parler, je comprends. En fait, je veux du yaourt. Au café. Elle est fausse au café. Tiens, en même temps.
ton café, chérie. Son café. Ils n'ont qu'à mettre tête de mort. Moi, je vous ai dit que tête de mort, ça ne me fait rien. Facebook a mis ça là, ça a une utilité. Ça a une utilité, tête de mort. Mettez, j'adore voir ça. Carrément, sans gêne, ma chérie, tu es en train de gâter ta cause. Quelle cause? Quelle cause? Vous parlez de quoi? Quand je veux aider, j'ai dans mon cœur, je donne. Vous parlez de quoi? Quand tu es en train de gâter ta cause, tu es en train de faire quoi, quoi, quoi? C'est mon argent. C'est mon argent, je donne. Tu es en train de gâter ta cause. C'est rentré, c'est sorti. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Quelqu'un même qui a décidé d'aider les gens. Vous allez venir vous asseoir pour dire qu'il ne faut plus parler dans ça là. Si tu parles dans ça là, les gens ne vont pas avoir confiance. Mais n'ayez pas confiance en moi. N'ayez pas confiance en moi. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin de votre argent. Oui. Je n'en ai pas besoin. C'est moi, j'ai dit ça. Je n'en ai pas besoin. Je suis en France, je suis malade. Je vais manger. Je n'en ai pas besoin. Si je suis malade là, je suis en France. Je ne vais pas faire SOS. Je ne vais pas faire SOS. Oh, je ne vais pas faire ça. Je suis en France. Si je suis à la rue là, ils vont me donner un toit. Si je suis malade, ils vont me soigner. Si j'ai faim, je vais manger. Je suis en France. Il ne va pas faire SOS. Ne vous inquiétez pas pour moi. Comme ma chérie, tu es en train de perdre ta cause. Regardez-moi ça, des débiles mentales comme ça. N'importe quoi. Donc quand on dit on est dans l'humanité, quand on dit on fait don là, donc n'importe qui, n'importe quoi peut venir nous insulter et puis on se tait et puis on avance. Hein? Donc quand on dit on est dans l'humanité là, on doit se laisser marcher dessus. Les gens doivent nous prendre, ils nous mettent dans le mortier et puis ils nous pilent. Et puis ils nous pilent. Parce que tu es dans l'humanité, faut pas que tu vas parler. N'importe quoi. C'est mon argent, il donne. Je vais garder. Il y a retourné dans ma vie d'avant là. Il a préparé les bouteilles de champagne. Il a pris ça pour aller en boîte. Il y a l'argent là, il y a toujours son utilité. L'argent là, il y a toujours son utilité. On finit pas de chercher l'argent. N'importe quoi. Tu gardes ta cause. Vous êtes perdu, hein. Vous savez à qui vous parlez. Et c'est 10 000 fois plus malade que rassemblé. C'est vous qui êtes en train de me rendre folle. C'est vous qui êtes en train de me changer. Parce que vous avez des pensées stupides. Vous avez tout le monde vous insulte. Tout le monde vous insulte. Tous ceux qui sont sur Facebook là, ils insultent tous ceux qui écrivent en commentaire. Vous ne pouvez pas vous poser des questions. Tous ceux qui sont sur Facebook, qui font vidéo là, ils vous insultent tous les jours. Et tous, vous arrivez à pousser les gens à bout. Mais vous, vous êtes spécialiste dans ça quoi. Parce que nos adversaires, là, ils ne nous font rien. C'est vous qui traumatisez les gens. Vous qui êtes... Les gens qui sont derrière le téléphone, qui regardent là. C'est vous qui traumatisez les gens. Vous savez ce que la personne est en train de faire. Ça ne vous intéresse pas. Au lieu de passer votre chemin, vous allez venir mettre, ramasser toute votre frustration là, pour mettre sur la personne. C'est vous qui découragez les gens. Quand quelqu'un est en train de faire quelque chose et que ça ne t'intéresse pas, tu quittes là même. Tu te désabonnes de sa page, tu t'en vas. Tu vis ta vie, tu l'oublies. Mais vous, vous restez là à supporter ça. Et puis vous tout votre poids, ça, vous prenez ça pour mettre sur les autres. Et les autres encore, au lieu de s'asseoir pour écouter, ils seront là à vous répondre tellement vous êtes stupides. N'importe quoi. J'ai dit ma langue là. Souffrez de ma langue là. Souffrez de ça. Vous ne connaissez pas le travail que cette langue là fait. Vous ne connaissez pas. Regardez-moi ça. Tes cheveux sont sur ta tête en train d'ananas. Toi, un homme, regardez-moi ce modèle là. Toi, comme ça, tu es incapable de prononcer mon nom. C'est la seule chose qu'il t'a demandé. Prononce mon nom. Tu n'as pas cette faculté là. Parce que l'organe
qui donne la faculté d'affronter son adversaire face à face, d'avoir la faculté d'être un homme et d'assumer ses responsabilités-là. Cet organe, tu l'as perdu à la naissance. C'est resté dans le ventre de ta maman. Hein, ils ont enterré ta maman avec ça. C'est moi qui ai dit ça. Le jour où tu vas le récupérer pour mettre dans ton cerveau, là. C'est ce jour-là que tu vas venir t'asseoir pour dire mon nom. Tu pensais qu'un jour, on paye. Dans ces mêmes jours-là, tu dis depuis tout le temps. Ton visage, j'en dirais, par choc de baka d'abobo, là. Ton loup visage, j'en dirais, par choc de baka d'abobo, là. Toi, tu avais discuté avec moi. Tu es un homme, tu es tripé comme ça. Tu masques comme ça. Tu es fier de ça. Imbécile. Toi, tu as venu m'insulter. Tu as venu traiter moi, mes enfants, de rejetons. Ne laisse pas. En ensemble. Je te dis que je suis VIH dans ton corps. Je suis VIH dans ton corps. Faut lui dire que je décroche pas, mon frère. Laisse, laisse. Je décroche pas, laisse ça. Hey. Carrément. Tu es venu parler de moi. Tu parles et tu insultes. Tu parles et tu insultes. Tu parles et tu insultes. Regardez-moi ça. Un homme qui est dans l'incapacité de prononcer le nom d'une femme. Oulala. Et c'est toi qui fais peur. C'est toi qui fais peur. Tu n'es même pas capable de prononcer mon nom. Moi, quand je m'assois, je me tiens bien. Je suis une femme. Je me tiens bien. Et je prononce Yaka Yaka. Toi, dis mon nom. Hey, tu dis pas. Toi aussi, tu vas venir demander des comptes à quelqu'un. Tu parles de qui? Quand tu parlais, même pour écrire. Même pour écrire. Tu mets Mili, mais papa. Lâcheté. C'est ça qui te caractérise, la lâcheté. Regardez-moi ça. Je dis, je serai la dernière femme. Il va te montrer ce qu'on appelle femme. Parce que tous ceux que tu as rencontrés durant ton parcours, là, ce ne sont pas des femmes. Il va te montrer qu'il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme et puis il y a femme. Moi, je vais te montrer ça. Tes injures à deux balles que tu as proférées, ces mêmes injures là, tu les as proférées contre le beauté. Ces mêmes injures là, tu les as données à DS. C'est ces mêmes injures là. Tu changes pas un peu? Tu changes pas un peu? Moi, je comprends pas, Djoula. Djoula, là, je comprends pas. Donc, tout ce que tu dis en Djoula, je comprends pas. Donc, quand tu insultes quelqu'un et puis la personne comprend pas ce que tu dis là, c'est bête de ta part. Ça peut pas me faire mal. Moi-même, les injures, ils bien qu'ils aient, ils bon à coup, je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai dit comme ça, parce que les gens disent. Je comprends pas un seul mot de Djoula, je comprends pas. Faut parler français à un mot. Insulte-moi en français, comme ça, et elle comprend. Sinon, je comprends pas. Même le mot que tu as dit quand même. Oh, si c'est boupa papa, si c'est boupa papa. Je comprends pas, Djoula, je comprends pas. C'est pas ma langue. C'est pas ma région, je comprends pas. Faut parler en français. On a été colonisé par les Français. Toi-même, tu es Français. Donc, parle en français. Si c'était DS, tu allais parler en Djoula. Mais au moins, tu dois parler en français, moi. Ou bien, parle ce que je comprends. Ou bien, tu peux parler ce que je comprends. Tu insultes quelqu'un, la personne ne comprend pas. Tu es bête, hein? Un homme qui regarde une femme et qui n'arrive pas à prononcer son nom. Même si tu aimes me draguer, tu peux pas. Tu peux pas prononcer mon nom. Les hommes comme ça, quand ils m'appellent dans la rue, ils les regardent en haut jusqu'en bas. Puis je dis, tu n'es pas mon genre. Oui, mais, oui, qu'est-ce que? Eliyahu, je suis mauvaise même. Tu peux même pas t'imaginer ma méchanceté. Faut pas tester, Magna.
magnan. Est-ce que moi, il t'a dit qu'il était gentil? Quand il y a quelqu'un comme moi qui est en train de parler, comme il est en train de parler, il t'a dit qu'il était gentil. Il t'a dit que ce qu'il est en train de faire, c'est pour te plaire. Il t'a dit qu'il attendait ton amour. Je suis mauvaise. Moi, j'ai toujours dit ça. Je suis très mauvaise. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus mauvaise que moi. Il n'y en a pas. Hey! Est-ce que moi, il t'a dit qu'il était gentil? Je suis mauvaise même. C'est parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les gens. Les gens marchent dans la rue, vous ne savez pas c'est qui. Je suis très mauvaise. C'est pas amusement. Faut pas me provoquer. Faut pas me provoquer. Tu sais pas à qui tu as fait. Je suis mauvaise. Je vais enlever ça dans les yeux. Moi, j'ai fait. Je suis à Nida Boisson. Je pratique la sorcellerie en réalité. Ça. J'attends pas la nuit. Vous n'avez jamais fréquenté un ami, mais vous tous, vous connaissez les amis. Vous avez notre nom là, c'est dans votre bouche. Quand quelqu'un n'est pas bon, seulement vous dites il a ni. Quand il avance, seulement vous dites il a ni. Quand il est méchant, seulement vous dites il a ni. C'est ça. Et c'est venu. C'est moi, je confirme la règle là, c'est moi. Je la confirme. Vrai ami. Je vais vous montrer ça. Vos préjugés que vous avez vis-à-vis des amis là, c'est moi qui ai créé ça. Vous ne savez pas. C'est moi qui ai créé ça. C'est à cause de moi qu'on appelle les amis comme ça. Je vais vous montrer. Moi, il fait sorcellerie, fa. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le noir. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le bois sacré. Pour moi, là, c'est fa. Il te fait la sorcellerie et puis tu vois. Et puis tu ne peux rien faire. Mon nom même, tu ne peux pas prononcer. Parce que c'est du lourd. Il n'a pas dit mon nom, hein. Mon frère rêve. Il n'a pas dit mon nom. Il a dit Milly. Il dit Milly. Il n'a pas dit mon nom. Faut rêver. Faut rêver. Si retourner sur sa vidéo, il est bien d'écouter. Même quand il a écrit, il n'a pas dit mon nom. Tu rêves. Hein? Il est dans l'incapacité. Si tu as ça, faut m'envoyer. Quand il a dit ton nom. Regardez-moi ce menteur-là. Il n'a pas envoyé. Il va faire direct aujourd'hui, non. Il n'a qu'à dire mon nom. Aïe. Bintou Soumaoro, elle dit tu es serré ou quoi, bloque tout ça. Il ne peut pas le bloquer, Bintou. Il n'a pas le temps de ça, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, il y a des gens qui m'insultent, je ne les réponds pas. Je ne le vois pas, il n'y a pas besoin de les bloquer. Ce que je vois, je bloque, mais ce que je ne vois pas là. Il y a des fois, il y a des injures qui sont là, je ne les vois pas. Elle-même, il m'insulte fort, et quand elle le voit. Mais il y a d'autres que je n'arrive pas à voir, il ne peut pas tout voir. Donc restez là comme ça et puis souffrez de moi. J'ai dit j'adore les têtes de moi. Ceux qui veulent me la mettre les têtes de moi, ça va m'encourager. Parce que si elle parlait de lui, j'avais fini. Peut-être parler, mettre les têtes de moi jusqu'à y avoir que Facebook même va couper, va dire c'est bon, j'en ai trop têtes de moi la fille là. Vous connaissez sorcellerie? Je vais vous montrer ça. Propre. Est-ce que vous connaissez? Chez nous là, quand on s'est enterré quelqu'un, et puis les amis sont pas prêts là. Quand on est assis en train de pleurer là, il pleut pas. Hein. Quand on se lève et puis on s'en va sur la route là, il pleut tonnerre. On dépose le corps, puis on s'assoit, on attend. Quand on est assis, quand on a déposé le corps, puis on est assis là, la pluie s'arrête. Chez nous là, c'est comme ça. La pluie s'arrête. Et puis quand on soulève le corps là, pour l'enterrer, il pleut, tonnerre. Et puis on dépose le corps encore. Et puis on assis. La pluie s'arrête. C'est ça la sorcellerie des amis. Fafa, c'est-à-dire que tu vois ça en réalité comme ça. C'est pas du jeu. C'est pas explicable. On peut pas expliquer. C'est inexplicable. C'est ça que je vais faire pour vous donner. C'est ça que je vais faire pour vous donner. Tu n'as pas de vie. Tu es dans 4 mètres carrés. Tu vas venir parler de moi. Mon frère, ton salaire là, ça ne peut pas me payer. Si toi, tu ne travailles pas,
mon argent là, ça va tomber. Mon argent, ça va tomber tous les fins du mois. Faut plus travailler, tu vas voir s'il n'y a pas avoir mon argent. Faut plus travailler. On va avoir entre toi et puis moi qui va avoir faim. Quand c'est mon argent qui te paye. C'est mes impôts. Toi, tu as payé quel impôt? Tu as payé quel impôt? Toi, tu payes quel impôt? Toi, tu payes quel impôt? C'est quel impôt tu payes? Faut me dire. Tu ne connais pas salaire de fonctionnaire. Et tu es quel fonctionnaire même? Qui t'a dit à la RATP là? On t'a dit que tous ceux qui sont à la RATP là, on t'a dit qu'ils sont français. Tous ceux qui sont à la RATP là, on t'a dit qu'ils sont fonctionnaires. Tous ceux qui travaillent à la RATP, on t'a dit qu'ils sont fonctionnaires. C'est ce qu'on t'a dit. Tu es bête quoi. Tu as venu t'asseoir, tu penses que c'est nous, tu as menti. Il y a longtemps en France ici, on connaît ce qui se passe dans la France. Quand ici, fonctionnaire. Qui t'a dit que tu étais fonctionnaire? À la RATP là, il y a KSS 1, KSS 2. Faut montrer en voix. Toi, tu cherches preuve des autres, non? Toi, tous tes cassettes que tu as eu là, faut montrer, on va voir. Toi, un sale braconno, tu te promenais pour vendre cigarettes à Yopougo. Milbaki, la nuit même, tu te réveilles. Ta démarche des femmes, les gens se moquaient de toi. Tu te promenais à Yopougo, Cyprès, là-bas, pour aller vendre un paquet de cigarettes. Toi, il y a quelque chose dans ta tête pour venir faire cassettes. Il y a quelque chose dans ta tête pour venir faire cassettes. Toi, un perdu comme ça, tu te promenais à la rue Princesse là-bas. Tu as venu t'asseoir ici quand je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Menteur. Menteur. Toi, un perdu comme ça, la nuit. Tu te promènes pour vendre cigarettes aux gens dans Cyprès là. Tu as venu parler de moi. À la rue Princesse. Il ne veut pas insulter les gens de Yopougon. Hein. Non. Mais entre Makori et puis Yopougon là, on connaît c'est quoi qui est bon quartier. De Makori à Yopougon là, les deux quartiers en position, on sait que Makori est bon quartier que Yopougon. Même Bran à côté de Makori est mieux que Yopougon. Tu as venu t'asseoir pour dire que toi, enfant, je suis enfant de Makori. C'est moi qui ai dit ça. Tu as venu te comparer. Enfant de Makori va venir se comparer. Enfant de Yopougon va venir se comparer à un enfant de Makori. Pour dire que moi, j'ai habité dans Bafon. Toi, tu as vu Bafon dans Makori. Bafon qui est dans Makori, tu as déjà vu. Tu as déjà vu Bafon en Makori. Toi, un enfant perdu de Yopougon pourri là-bas. Tu as venu t'asseoir pour parler de moi. Que ta famille vivait dans la pauvreté. Makori et puis Yopougon, entre les deux communes, c'est où il y a pauvreté court. Regardez-moi ça. Les gens qui aiment se créer une vie, les gens qui aiment s'inventer une vie. Tu as comparé Makori à Yopougon. Regardez-moi ça. Nous tous, on connaît Abidjan, hein. Et moi, j'ai perdu comme ça. Une petite villageoise qui est sortie, je ne sais pas où. Si tes parents t'ont dit que mettre produit pour avoir le teint clair, là, c'est ça qui dit que tu es en ville, mais c'est ça qui dit que tu es moderne. Mon frère, tu es perdu. C'est pas ça la modernité. Ce n'est pas ça la modernité. Le fait de se tirer la peau pour devenir clair, c'est pas la modernité. N'importe quoi. Vous montrez, vous êtes là, vous parlez des amis tous les jours, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi, je vais vous montrer. Ils ne peuvent pas me rejeter. Oh. Je suis là, enfant. Ils vont que m'appeler pour me calmer. Sinon, ils ne peuvent pas me rejeter. Nous, chez les amis, on ne rejette pas nos frères. On les prend comme ça. Ah, attends, oh, ça n'a qu'à rester. Oh. Tu bloques tout le monde, tu auras deux vues. Donc reste alors. Reste à m'insulter. Mais tu es bête quoi. La misère, vous faites tout le temps, vous faites rire les gens, mais tu es bête.
Quand tu bloques tout le monde, tu auras deux vies. Donc, tous ceux qui sont aimés, regardez, c'est eux qui ne m'aiment pas. Mais pourquoi vous avez la souffrance comme ça? Pourquoi vous m'attraitez comme ça? Ma chérie, donc tu n'as pas le choix de cliquer sur quitter. Donc, le choix de cliquer sur quitter, là, tu n'as pas ce choix. Il n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui est maso jusqu'à. Quelqu'un qui aime la souffrance jusqu'à. Et... Toi-même, tu ne vas pas. Il va te bloquer. Il ne te bloque pas. Il va te montrer comment je suis mauvaise. Moi, je vais te montrer comment je suis mauvaise. Je vais te montrer comment je suis sorcière. Je vais te montrer qu'il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme quand tu crois sur ton chemin là. Tu laisses ta peau. Tu laisses ta peau. Vous allez laisser votre peau dans cette histoire-là. C'est moi, j'ai dit. Il y a déjà gagné. C'est moi, j'ai dit. Il n'y a même pas besoin d'attendre la coupe là de vous. Moi, quand je vois un combat et puis je sais que j'ai déjà gagné là, je connais. J'ai déjà gagné. Vous êtes descendu dans la boule à moi. À un de mes deux abonnés que j'ai là, vous êtes en train de me répondre. Ça veut dire que vous êtes descendu pour être à mon niveau. Donc j'ai déjà gagné. Et puis vous êtes en train de. Je suis en train de vous surpasser. Je suis en train de vous surpasser. J'ai déjà gagné. Parce que vous êtes incapable de prononcer mon nom. Avec ces deux choses-là, j'ai déjà gagné. Vous n'avez pas à m'effrayer. Vous n'avez pas à m'effrayer, Joe. Vous connaissez. Hey! Vous êtes star. Vous êtes 100 000 abonnés. Mais vous êtes descendu au niveau de quelqu'un qui a 2 000 abonnés. Bon, qui a gagné entre vous? Vous êtes en train de poursuivre un fou qui est tout nu dans la nature. Vous êtes en train de dire que vous êtes en train de m'effrayer. Mais je suis moustique, non? Moustique qui a croisé lion. Et puis lion est en train de se battre, un moustique là. Vroom, 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 vroom. Mais j'ai déjà gagné. Aïe. J'ai déjà gagné. Maintenant, prononcez mon nom. Ça, j'ai déjà fait échec. C'est quand vous avez prononcé mon nom, j'ai fait mat. Et puis c'est fini. Vous avez déjà échoué. Vous êtes en train de regretter. Hey, pourquoi on a donné le nom à la fille là-haut? Pourquoi on l'a répondu? C'est pour ça que vous ne serez jamais à la hauteur de Lolo Beauté. Elle ne m'a jamais répondu. Malgré tous mes scénarios que j'ai fait. Vous ne serez jamais à sa hauteur. Vous ne serez jamais à sa taille. Elle vous a dominé, vous a marmaillé comme ça. Elle a fini ça. Vous ne serez jamais à sa hauteur. Vous n'avez que fait sa publicité pour elle. Elle vous a dit qu'elle allait vous embaucher. Ah. Elle est venue, elle vous a provoqué. De toute façon, moi, elle vous a provoqué. Quand Lolo Beauté venait, elle était rien. Elle était rien. C'est la même chose. Elle vous a provoqué. Elle a insulté tous les Ivoiriens. Vous deux, vous avez chargé. Bagage dans votre tête. Pour courir, elle, comme ça. Vous l'avez rendue célèbre. Et puis elle a fait sa marmaille propre pour vous donner. Et vous êtes resté au milieu, au même niveau du départ jusqu'à la fin. Vous êtes au même niveau. Elle est sur tous les plateaux. Elle en l'invite partout. Et vous, comme ça, vous n'avez qu'à avoir peur de vous. Mais vous êtes des bons clients. Vous êtes des bons clients. Ou bien, vous êtes des bons clients. Aïe! Vous êtes des clients. Vous, on vous lance petit pic seulement. Vous sortez. Des cabris. Vous êtes des cabris. Cabris même. Quelqu'un va venir s'asseoir sur la toile, il va parler de vous. Voilà. Yaka, yaka. Aïe, vous sortez comme ça. Pour donner de la force à quelqu'un. Ouais. Pitiation. Vous faites pitié. Hein? Aïe. Toi aussi. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Vous pensez que vous êtes en train de me manipuler. Je sais où il est mauvais, il connaît ma destination. Vous êtes petit dans cette histoire. Vous êtes petit. Demandez à Céline, Céline connaît le travail là. Céline connaît le travail là. Vous l'appelez à l'aide. Vous l'appelez à l'aide. Céline même connaît, il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à, il connaît. Vous êtes petit dans cette affaire là.
Vous êtes des enfants, des rigolos. Regardez-moi. Deux bêtes même. Vous êtes bêtes comme il n'y a pas arrêté. Vous êtes des maudits. Vous, on vous utilise. Vous travaillez pour les gens cadeaux. C'est ça que vous ne savez pas. Ils sont venus, ça fait combien de mois? Ils sont venus dans le coronavirus. Ils sont venus dans combien de jours? C'est à vous seul, seulement, ici, sur vous. Tu cries. Vous êtes sortis comme ça. On dirait des rats de goût. On a mis miel, vous êtes des abeilles, vous avez mis la paix. Ouais, Kouturubu. Vous êtes bêtes même. Hey, j'ai jamais vu une telle bêtise. Yessi. C'est ça là. Mon pire. Et on enfonce ça dans mon cul. Et... on peut pas changer à la règle. Ça, c'est un calcul mathématique. On appelle ça calcul mathématique. Vous êtes bêtes même. Oui. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, c'est pas bon. Hein. Oh, Yako. Hey, tous ceux qui veulent être connus sur la toile, je vous demande pardon. Attrapez ces deux-là, ces beaux clients. C'est un bon client même, on appelle ça un bon client. À ton niveau. Le soir, je suis arrivé à ton niveau. Tu me réponds. Tu as signé CDI et moi. Mais viens signer. Hey, quelqu'un dépose son CV. Toujours il dépose son CV. Toujours il dépose son CV. Tu as signé CDI lui. Et puis il t'a dit qu'il ne va pas travailler. Mais on signé CDI là. Tu vois pas que c'est moi qui ai déposé mon dossier. C'est pas moi qui venais chercher travail là. Ou bien vous n'avez pas vu dedans. Vous n'avez pas vu que c'est moi qui venais chercher travail là. Maintenant vous voulez signer CDI et moi. Et puis vous pensez qu'il a refusé. Mais je suis à vous. Je suis à vous. Ouais. Wow, la bêteté. Comment on peut être bête à ce point-là? Vos injures là, je les ai déjà entendues. Elles ne sont pas destinées. C'est un CD. C'est injure que vous prononcez là. On appelle ça CD. À chaque film, on met cette musique là. Toutes les femmes qui sont passées à vous là, elles sont passées à ce CD là. Mais injure que vous êtes en train de me donner là, vous avez donné ça à tout le monde. Vous avez déjà donné ça à tout le monde. Hein? Vous avez donné un jus là à tout le monde. Maman. Vous avez tout le monde à servir. Maman. Oui. Peux y aller chez Mila? Oui, après. S'il te plaît. Oui, je dis après. Hein? Maman, aussi mille, aussi, t'essayes de partir avec... Oui. Et yo? Oui. Ça veut dire qu'ils vont voir tous les deux. Eh bien, 10 minutes, accordez-moi 10 minutes, il est fini. Il est déjà fini, il est trop duré même. Hey, Dieu, mais Mario, ouais. Je suis contente, mais le CDI, je suis contente. Je suis contente pour le CDI que vous venez de m'offrir. Il y avait trop transpiré. Depuis là, il n'est pas là, mais le papa. Oui, c'est fini. Bon, c'est bon. C'est bon, on va rire plus tard.
Au revoir. Au revoir, à plus tard. Maman.